On a, c'est madame, Justine Vaillant, une présentation sur les animaux sont-ils bêtes? Et pour la présenter, Justine, ben, elle est docteur en biologie évolutive et actuellement au post-doctorat sur le sujet du déclin des populations d'hirondelles bicolores. C'est un sujet qui revient quand même de manière récurrente à titre humain. Je pense qu'on a eu comme deux ou trois présentations jusqu'à présent, puis à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui parle d'écologie, il y a une chance sur deux qui a touché un peu aux hirondelles bicolores. Donc, on l'accueille chaleureusement. Justine! Bonjour, alors moi je ne vais pas parler d'hirondelles ce soir. Je vais juste vous présenter rapidement la chouette que j'ai dans les mains. C'est une chouette d'Athéna. C'est le symbole d'Athéna, la déesse de l'intelligence grecque. Je vous laisse deviner qui est le plus bête sur la photo. Ah, il est 3 h du matin, hein. C'est pas bien fatigué. Donc on va commencer par une petite histoire. C'est l'histoire du cheval. Oh, est-ce qu'on peut laisser? Ouais, parce que je suis petite quand même. Ça marche. Bon, je continue avec mon histoire du cheval Hans. Donc, c'était un cheval qui faisait des représentations à la fin du 18e, début du 19e. Il était apparemment extrêmement intelligent. Il était capable de résoudre des équations mathématiques assez simples. Il était capable de répondre à des questions, en fait, en tapant du sabot, en montrant avec son nez la solution. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette histoire? Bon, il y en a qui doivent savoir, apparemment. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un animal extrêmement intelligent? Escroquerie, télépathie? Ben oui et non en fait. En réalité, ce qu'on a remarqué, c'est que le cheval était capable de répondre aux réponses, enfin aux questions, uniquement si le propriétaire savait la réponse. En réalité, c'était inconscient. Le propriétaire ne cherchait pas à faire cette escroquerie, il était vraiment persuadé que son cheval était extrêmement intelligent. C'est juste que le cheval était capable de détecter des micro-mouvements, comme la tension en fait qu'avait son propriétaire, et une fois que la bonne réponse était passée, la tension se relâchait inconsciemment et le cheval détectait ces mouvements-là et il s'arrêtait. Il avait la bonne réponse. Donc ça montre plusieurs choses en fait, plusieurs choses que je vais expliquer. Mais déjà, il faut savoir qu'à l'époque, on était encore sur l'image de l'animal machine. Donc l'idée de Descartes, c'est qu'un Un animal est dénué de réflexion, est dénué d'intelligence, en fait, il va juste réagir par rapport à un stimuli. Donc, vous connaissez tous, j'imagine, le test de Pavlov, le chien de Pavlov. Donc, on fait sonner une clochette, le chien il bave. Donc, c'est un conditionnement. Le chien est habitué à répondre à la sonnette, il a faim, il bave. Donc, action, réaction. On a aussi ce qu'on appelle le test de Skinner, le conditionnement de Skinner. Donc, c'est un peu la même idée, c'est qu'on va faire du renforcement positif ou négatif pour que l'animal comprenne quelque chose. Donc, par exemple, je ne veux pas que l'animal il aille par ici. Renforcement négatif, il va comprendre, il n'ira plus par là. Donc, c'est l'image qu'on avait à l'époque. Mais c'est faux, évidemment. En réalité, ce qu'on pense, donc, Franz de Waal, c'est un éthologue, c'est un primatologue contemporain. Comme il explique bien, en fait, on refuse de voir chez les animaux cette intelligence. Tout simplement parce que, par rapport à notre ego, mais tout simplement, mais aussi parce que la plupart des tests ne sont pas adaptés aux animaux. Donc, un exemple très simple que aussi explique Franz de Waal dans le livre que j'ai présenté juste avant, là, qui était juste avant. Par exemple, si on veut tester un singe, on veut comparer un homme et un singe, on va faire un test qui, en réalité, est fait pour l'homme. Donc le singe, déjà, il faut que, enfin, premièrement, il ait de l'intérêt pour le test. Deuxièmement, faut il faut qu'il ait compris ce qu'il doit faire. Et troisièmement, faut il faut qu'il réponde positivement au test, parce que s'il n'a pas envie de le faire, il ne le fera pas de toute façon. Donc typiquement, quand on fait un test avec un enfant dans une salle et le chimpanzé à côté, ils enlèvent, enfin pas à côté, parce qu'un singe, s'il attaque l'enfant, dommage. Mais ce que je veux dire, c'est on va mettre dans une salle un enfant, séparer le singe. L'enfant, il va répondre positivement au test parce qu'inconsciemment, il y a ses parents qui sont derrière qui vont lui expliquer un peu quoi faire. Le singe, s'il a juste pas envie de faire le test, il ne le fera pas. Donc, on a ces gros soucis, c'est que les tests d'intelligence ne sont pas adaptés aux animaux. Donc, quand on veut tester l'intelligence d'un animal, à l'époque, un peu toujours, on a un peu la même idée de comment on fait. Donc, est-ce qu'on va regarder la taille du cerveau? Est-ce qu'on va regarder le nombre de neurones, le QI? Pas vraiment, parce que déjà les dauphins, donc animal intelligent, je dirais, tout le monde pense ça,
ils ont un cerveau extrêmement petit pour un cétacé. Pourtant, est-ce qu'ils sont bêtes? Pas vraiment. À côté de ça, on a d'autres petits tests qui sont assez connus. Donc, on a le test du miroir. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, typiquement, on présente un animal ou un humain, la même chose, devant un miroir. Et pour être sûr qu'il ait compris que le miroir reflète lui-même, que c'est son soi, on va lui mettre une petite tache, une étiquette, quelque chose sur le corps qui ne s'en est pas aperçu. Et s'il le retire, ça montre, enfin, qu'il le retire à travers le miroir, c'est qu'il a conscience de son corps. Donc, c'est un test assez basique qui se fait un petit peu dans les tests d'intelligence, en général. Et on va voir que ce n'est pas forcément inné. Il n'y a pas forcément beaucoup, énormément d'animaux qui le réussissent, et inversement, il y a des animaux assez surprenamment qui le réussissent. Voilà, on a aussi les fameux tests, vous avez dû entendre parler, de savoir utiliser des outils, est-ce que les animaux sont capables de créativité artistique, blablabla. Bref, il y a plein de petits tests, mais ce n'est pas forcément toujours adapté. Par exemple, les poulpes. Donc les poulpes n'ont pas de cerveau. Pourtant, c'est un invertébré le plus intelligent en réalité. Il a énormément de connexions neuronales dans tout son corps, qui est réparti dans toutes ses tentacules, qui fait qu'il est extrêmement habile déjà, et il est capable de résoudre des équations simples, enfin, des tâches simples, des équations peut-être pas, je n'ai pas encore vu un poulpe résoudre des équations différentielles, mais voilà, il est capable, vous avez tous déjà vu, j'imagine, une vidéo d'un poulpe qui ouvre un bocal avec son tentacule, et voilà. On a aussi Paul le poulpe, bon ça c'est un mensonge, hein, c'est juste des statistiques, hein, c'est juste qu'on pense qu'il a... Vous savez qui c'est Paul le poulpe? Ouais, c'est le poulpe qui prédisait les victoires de la Coupe du Monde du foot en 2010 en fonction de la boîte dans laquelle il allait. Bon, c'est un peu un mensonge, mais n'empêche que les poulpes sont intelligents. Ils ont quand même ça résout des tâches simples. Un autre animal que je suis sûre, ici vous pensez tous que c'est complètement débile. J'ai raté mon effet. Le pigeon. Un pigeon, bon, on le voit dans la rue, partout, on pense que c'est stupide. Eh ben, je vais vous décevoir, les pigeons, ils ont 6 fois plus de connexions neuronales que nous, les humains. Et là, vous n'avez plus d'ego. En réalité, les pigeons, ils ont une mémoire spatiale extrêmement développée. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on les utilisait à l'armée autrefois, alors pour transmettre les messages, mais aussi pour détecter les bateaux à travers un paysage. On a aussi fait des tests sur les pigeons. Donc, ah oui, ils réussissent le test du miroir, en fait. Ah, d'un coup, hein. Donc, ils réussissent cet état du miroir, ils sont aussi capables de différencier un Picasso d'un Monet. C'est pas mal, hein. Donc, ils ont pas mal de petites tâches comme ça. Et de plus on fait des tests sur les pigeons, plus on se rend compte qu'ils ne sont pas si bêtes que ça. Ils ne sont pas si pigeons que ça. Une autre catégorie animale qu'on sous-estime, ce sont les poissons. Donc, par exemple, les raies et les requins réussissent aussi le test du miroir. On leur essaie de le faire en conditions naturelles, bon c'est un peu compliqué, mais on a observé des comportements d'empathie et de reconnaissance de soi chez ces animaux. On a aussi, le dernier en date, c'est le labre nettoyeur, c'est le petit poisson à droite, donc c'est le petit poisson qui nettoie, vous savez, qui nettoie la peau des gros poissons dans les fonds marins, donc il réussit ce test du miroir. On a aussi d'autres poissons qui sont capables d'utiliser 12 outils, donc c'est la photo que je vous ai mis en bas. Donc, ils vont être vraiment capables d'utiliser l'environnement qui les entoure pour casser les coquillages et se nourrir. Et on a aussi une étude de l'Université de Dijon, c'était mes professeurs, c'est pour ça que je suis contente de le dire, c'est avec des chicklidés de zèbres, donc des petits poissons qui réussissaient des petites tâches de mémoire spatiale. Et on s'est surtout aperçu qu'ils réussissaient moins bien s'ils étaient séparés de leur partenaire. Donc, pas si bête que ça, les poissons non plus. Donc, c'est juste pour vous expliquer aussi qu'un petit peu, quand on teste un animal, l'intelligence, en fait, ce n'est pas une intelligence qu'on va tester, c'est des intelligences. Et ce qu'on va aussi tester, c'est la réactivité de l'animal. Il faut que le test soit adapté à l'animal pour qu'il puisse le réussir. Un pigeon, il va réussir le test de mémoire spatiale, il ne va pas forcément résoudre une équation différentielle. Je reste sur équation différentielle parce que c'est un cauchemar pour moi. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va aussi faire en écologie comportementale, donc ça va être l'étude des animaux, enfin du comportement animal, donc là où on pourrait tester leur intelligence dans leur environnement naturel, on va essayer de respecter un environnement naturel, on va essayer de faire quelque chose une tâche que l'animal est peut-être amené à résoudre dans son environnement. Et ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'on a de la variabilité entre individus, tout simplement, donc ce qu'on appelle de la personnalité.
Alors, on va leur faire des tests de personnalité. Alors, rien à voir avec quelle princesse Disney êtes-vous, hein. Ça va être, est-ce que l'animal est plus ou moins timide? Est-ce qu'il est plus ou moins dominant? Est-ce qu'il est curieux? C'est ça qui va dépendre, est-ce que l'animal va réagir oui ou non positivement à un test. Ensuite, on a des différences entre populations. Donc, on a aussi, chaque population a des cultures, car oui, il existe une culture animale. On a aussi des modes, oui. Alors, fashion, oui ou non, parce qu'on a déjà observé des orques se balader avec une moitié de poisson mort sur la tête. Donc, ça s'est répandu dans la population, puis après, ils ont arrêté de le faire, donc comme une mode. Mais voilà, on a vraiment cette idée de transmission culturelle. Donc là, par exemple, vous avez l'exemple d'un dauphin qui se baladait avec une éponge sur le rostre. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est le nez des dauphins. En fait, ils s'en servent pour se protéger. Quand ils vont creuser dans les fonds marins, en fait, ils utilisent pour pas se piquer sur les oursins et tout ce qui peut se trouver dans les fonds des récifs. Mais c'est culturel, c'est propre à une seule population. Donc, on a aussi de la variété en population. Si vous testez une population dans le nord du Canada, ah oui, j'ai plus le temps, oh là là. Dans le nord du Canada et dans le sud du Canada, il n'y aura pas forcément la même réponse. Je me dépêche. Dans les tests aussi, des éthologies ou en écologie comportementale, il y a quelque chose qu'il faut faire extrêmement attention, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Donc c'est le fait de voir un comportement ou une réaction humaine chez un animal. Donc j'imagine, vous avez tous déjà vu chez un chat ou un chien dire « Oh là là, il est triste, il n'est pas triste ». Non, en fait, oui et non. Les chiens savent nous manipuler par rapport à ça, mais par exemple sur la photo, on a Grumpy Cat. C'est pas parce qu'il n'était pas content tout le temps, c'est juste qu'il avait du nanisme. Donc c'est un mouvement, quelque chose qu'on veut voir à travers les animaux. Donc c'est juste de l'ego, hein, encore une fois. En parlant aussi d'anthropomorphisme, on peut aussi avoir l'inverse. C'est essayer de voir chez les animaux un comportement que nous, on voudrait prendre exemple, entre guillemets. Donc vous avez peut-être déjà vu ou entendu parler de ce mythe du loup leader, de la meute, les plus faibles étaient derrière, blablabla. C'est complètement faux. En fait, c'est juste qu'on a voulu projeter quelque chose qu'on a voulu justifier à travers une photo qui n'avait rien à voir avec l'histoire. Je me dépêche. Autre chose aussi qui est à l'inverse de l'anthropomorphisme, c'est l'anthropodénie. Donc, on refuse de voir chez l'animal quelque chose qui existe. Donc, à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle du spécisme. C'est-à-dire qu'on va distinguer chaque espèce animale en fonction de leur prétendue intelligence ou leur capacité. Et ça, rapidement, c'est quelque chose qui est à la base en fait de toutes et beaucoup de discriminations. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été montrées en relation entre comment vous traitez les animaux et les autres discriminations, donc que ce soit le sexisme, le racisme, ou comment on va traiter des étrangers par rapport à nous, par exemple. Donc tout simplement, je vous rappelle que les cochons, même si on les mange, on va dire c'est des porcs, peu importe, ils sont bêtes, ils sont en théorie plus intelligents que les chiens. Les poulets aussi, enfin les poules sont quelque part assez d'intelligence. Donc, je vous dépêche, j'ai bientôt fini. Donc, je voulais finir rapidement avec une petite histoire, c'est celle de Coco, la gorille. Donc, c'était une femelle gorille avec qui on a appris le langage des signes. Donc, on arrivait vraiment à communiquer avec elle. Et elle a fait preuve de comportements assez incroyables. Donc, pour son espèce ou pas, on ne sait pas si elle représentait l'espèce. Mais l'idée, c'est qu'elle était capable de rire, vraiment même de faire des blagues. Elle a même surpris ses... Les gens qui s'occupaient d'elle étaient capables de faire des blagues. Et là, vous avez une photo d'elle avec Robin Williams, donc l'acteur. Elle rigolait avec lui. Et quand il est mort, donc on lui a fait comprendre qu'il était mort, elle était triste. Elle a vraiment eu une période de deuil. Donc c'est pour montrer que ce gorille avait une grande empathie. Elle avait aussi des animaux de compagnie à elle. Elle aimait beaucoup les chatons. Elle est morte en 2009, je crois. Bref. C'est pas 2009. Anyway. Je disais quoi? Oui, donc, pour montrer que ce gorille, parce qu'elle était assez intelligente pour son espèce, mais aussi parce qu'on a réussi à communiquer avec elle. Donc, je conclurai rapidement en disant que, intelligence ou pas, ce qu'il faut voir chez les animaux, en fait, c'est essayer de les comprendre, c'est de l'empathie. Donc, c'est pour ça que j'ai conclu ma présentation en disant, si vous voulez être intelligent, soyez empathique envers les animaux. Merci. Maintenant, la dernière question. Pas tous à la fois. Question, tu sais, quand je pense aux mémoires, à la mémoire, pour quand même.
Ce n'est pas seulement les oiseaux qui font des gros nids en tissu. Moi, en tant qu'humain, je préfère un tissu semblable, mais moi, il faut que j'apprenne ensemble un tissu comme tel. Pourtant, les oiseaux, ils sont nés avec cette connaissance. Est-ce que notre meilleure idée, c'est comment la connaissance, la mémoire est gardée? Est-ce que c'est gardé de façon génétique, c'est gardé de façon des protéines? Est-ce que notre meilleure idée? En fait, ça serait comme une espèce de mémoire innée. Mais ça, c'est... Ah oui, pardon. Savoir en fait si les oiseaux, donc par exemple l'exemple des oiseaux qui construisent un nid, ils n'ont pas appris, entre guillemets, comment est-ce qu'ils savent le faire? C'est une très bonne question, je ne saurais même pas y répondre, parce que c'est à peu près la même idée avec la migration. Comment les oiseaux, alors qu'ils n'ont jamais migré une fois dans leur vie, savent exactement où il faut aller? Donc mon idée, c'est qu'on a quand même une sorte de... Ouais, de mémoire innée, peut-être, inclus dans les gènes, inclus dans le... peut-être la communication entre les espèces, parce que les chants aussi, ce qui est intéressant, c'est que les chants, par contre, pour le coup, c'est pas, chez les oiseaux, c'est pas inné. Ils vont l'apprendre en écoutant, voir leurs parents, quand ils sont encore dans l'œuf d'ailleurs, mais ils vont aussi l'apprendre avec les autres mâles autour pour apprendre un chant. Donc on a des comportements qui sont à la fois d'apprentissage vraiment, donc par les pères, et de... Ben, on ne sait pas d'où ça vient, tout simplement. Tout ça pour dire que on a encore beaucoup de choses à explorer sur l'intelligence animale. Merci. C'est un peu la question de l'avocat du diable. En fait, en quoi ça nous intéresse de savoir ce que les animaux pensent? Ah! Bah déjà, ça pourrait déjà nous remettre en question. Ça fera jamais de mal à l'être humain de remettre en question son ego, mais ça peut nous amener énormément de choses. Déjà, essayer de comprendre d'où viennent les mécanismes neuronaux par rapport à la mémoire, essayer de comprendre comment fonctionne notre propre cerveau, parce que notre cerveau, il n'est pas unique au monde et c'est l'être humain, il y a tous les autres animaux de l'autre côté. On fait beaucoup d'études sur les rats parce que le cerveau des rats est très similaire au nôtre. Donc déjà, savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils pensent exactement. Même moi, j'ai pas forcément envie de savoir ce que pense mon voisin de moi, donc j'ai pas envie de savoir exactement ce qu'il pense. Par contre, comment il fonctionne, comment le cerveau va fonctionner et comment les comportements sont sociaux ou non, comment les comportements se forment dans la nature, pourquoi en fait, en quoi l'environnement va modifier ou non un comportement, ça va être intéressant pour nous. Ça nous permet de nous comprendre nous-mêmes, en plus de la connaissance fondamentale du règne animal. Mais... Pour l'éducation des enfants? Ah pour l'éducation des enfants, je veux dire, essayer d'éduquer les enfants par rapport aux animaux, je veux dire, en comprenant le comportement des animaux, comment on peut mieux éduquer les enfants ou éduquer les enfants au comportement animal? Un enfant, c'est un petit animal. Oui, exactement, mais... mais on peut très bien aussi faire des tests, comme on ferait un test à un enfant, comme on ferait un test animal. Tant que la communication, tant que le test est adapté au sujet, il n'y aurait pas de souci. Il faut juste arriver à construire le test de façon à être... à savoir ce que l'on teste et ce que la réponse qu'on va observer est réellement une réponse du comportement qu'on veut. Pas juste nous qui projetons une idée genre « Ah, oh, bah regarde, il a répondu au test. » Non, il faut être sûr. Donc c'est à peu près la même idée que les enfants. Oui. Merci.